écologie et politique. Moi, je me suis engagé en 2009 au sein de ce qui n'était pas encore un parti politique, avec la ferme conviction que l'avenir serait, en termes politiques, l'effondrement du bipartisme. En 2009, le PS était déjà un fantôme. Peut-être que de l'intérieur, on n'avait pas forcément l'impression, mais de l'extérieur, on en avait la forte conviction. Et que finalement allait se retrouver un pôle de repli sur soi autour d'une extrême droite ou une extrême droite populiste, et puis d'une sphère à construire, à mobiliser, de société civile, d'écologistes, de gens d'une de gauche et solidaire par envie, par nature, par beauté, par projet. Et que finalement, c'était ça l'objectif politique des années à venir, construire ce qui allait être l'après-effondrement du bipartisme, construire ce qui devrait faire face au Front National ou à ses attributs. Et finalement, ce bipartisme, il s'est effondré là, très très vite, comme toujours, en générant dans son effondrement un dernier avatar, il me semble, mais on en parlera peut-être avec Mathieu, de macronisme, hein, qui est finalement la fusion de la droite et de la gauche social-libérale gestionnaire. Et donc, bon, on a gagné une étape peut-être, on a gagné 5 ans de sursaut, qu'on va peut-être perdre ou pas, on verra la balance, hein. Tu listais ce qui était positif tout à l'heure, on se rappelle que Sarkozy aussi a fait des choses positives, le Grenelle de l'environnement, et puis d'autres moins, et donc finalement notre analyse politique, elle se fait effectivement après dans l'action, en mesurant les pas positifs et puis les pas carrément négatifs qui sont faits. Et donc finalement, aujourd'hui, écologie politique, Clémence le disait, beaucoup de choses se passent partout et nous pouvons nous considérer comme faisant partie d'une même galaxie au lieu de nous sentir étant des étoiles isolées, une étoile un peu harcelée au sein du Parti Socialiste ou maintenant à l'extérieur avec Benoît, des étoiles très isolées un peu partout. Nous devons nous sentir comme étant une galaxie en capacité de proposer un projet positif qui entraîne une majorité un peu partout sur la planète. Et quand on se rassemble, c'est cette envie, cette énergie-là qui ressort. À Grenoble, en mars, il y avait la première biennale des villes en transition qui a rassemblé 25 pays différents venus partager leur expérience concrète. En décembre, Damien était avec nous, avec Dany, pour un premier forum des migrations. Et au mois de juin, j'étais à Barcelone avec Ada Colau, avec Manuela Carmena, avec les maires de Valparaiso au Chili, avec le maire soutenu par Bernie Sanders de Berkeley en Californie. Et là aussi, nous étions d'une quinzaine de villes à se dire qu'en fait, on n'est pas du tout des petites étoiles harcelées d'un environnement qui serait dangereux, mais que ça se passe partout, que ça monte partout. Et finalement, c'est ça qui donne une énergie positive, l'énergie nécessaire pour avancer ensemble. Donc, restons convaincus par tous ces rassemblements-là, par cette écologie concrète, que effectivement, nous sommes une galaxie qui cherche à avoir sa traduction politique, mais qui existe et qui est là et qui peut faire envie. Et pour cela, je crois que l'écologie doit finalement passer de l'échelon de la planète à l'échelon local, elle doit passer du long terme au quotidien, là, demain, elle doit passer du global à l'ordinaire, elle doit finalement se saisir des communs, hein, de l'eau, de l'air, de la santé, de la culture, de l'éducation, des déplacements, de tout ce qui fait là sur nos territoires qui nous donne envie de faire ensemble, qui nous donne envie non pas de regarder le pédigré de chacun, non pas de se dire ben, tiens, qu'a fait Benoît pendant 30 ans au PS ou depuis quand Jean-Luc Mélenchon est éco-socialiste ou qu'est-ce que j'ai fait avant de m'engager à presque 40 ans, tout ce temps que j'ai gaspillé, je suis forcément un social traître. Donc toutes ces questions-là qu'on a en permanence de regarder l'héritage politique et la lignée sur 12 générations pour savoir si vraiment on a le droit aujourd'hui de s'impliquer.
Non, nous sommes une galaxie de gens en mouvement qui ont chacun des histoires très variées. Et c'est ce passage par les communs, par l'action concrète ensemble, qui donne finalement d'abord du plaisir au quotidien, qui donne une capacité de combiner nos imaginaires, qu'on est chacun très différent, on a des idées différentes, mais si nous nous posons les questions ensemble, souvent nous agissons ensemble, et dans ces cas-là, on ne se demande plus qui vient d'où, et on quitte aussi notre angoisse, une angoisse qui est latente, on parlait de fatigue démocratique. Ça s'apparente à ce qu'on voit de plus en plus dans le monde professionnel, le burn-out, qui est juste de l'angoisse par rapport aux défis, à la vitesse, à tout cela. Et quand on agit ensemble, ça désangoisse, ça permet de combiner ses imaginaires, ça permet de faire ensemble concrètement et de paver la route finalement, parce qu'on a des défis, des planifications à 2050 qui sont géniales, qu'on refera dans 5 ans pour faire monter un peu la pente, pour pouvoir toujours arriver au même endroit en 2050, puis dans 10 ans, on montrera encore un petit peu, comme on le fait depuis une trentaine d'années, par les communs, au niveau d'un territoire, on rassemble des gens au-delà de leurs étiquettes, et c'est ça qui leur donne, je crois, envie d'avancer ensemble. Et finalement, c'est en faisant cela qu'on se rend compte que quand on est parent, eh ben, on est écologiste, quand on est à l'école primaire et qu'on se pose des questions sur son avenir, on est écologiste, que quand on est pompier, on est écologiste, que quand on est chômeur, on est écologiste, que finalement, dans toute cette vie quotidienne-là, nous avons déjà ces questions-là, et il suffit juste qu'on se le dise. Hein. Et ce qu'on a fait à Grenoble, finalement, en 2014, on n'a pas dit aux gens de changer. On a dit, en fait, vous êtes écologiste, juste vous ne le saviez pas, maintenant on vous le dit. On dit, ah bah ouais, c'est vrai, bah puf, on y va. Hein? Et du coup, on accélère. Mais c'est tout. C'est tout, ça marche et ça permet, après, de faire ensemble, de se coltiner aussi la réalité. Hein? Et de se coltiner la réalité, et je crois que c'est ça aussi, sans doute, de façon très structurelle, que, sur lequel nous pouvons agir et nous pouvons changer de regard ensemble, la famille politique écologiste, c'est que nous avons le choix de cultiver la peur ou de cultiver l'enthousiasme. Et nous avançons beaucoup mieux avec l'enthousiasme. La peur de quand on accompagne un enfant au début pour apprendre à faire du vélo, si on lui dit « attention, le risque, c'est de tomber », hein, et quand il dit surtout tu regardes bien tout pour pas tomber, et donc il regarde machin, la roue, le pédalier, truc, mais pouf, hein, il est tombé. Voilà. Et donc regarder la catastrophe, même si la catastrophe elle est là, regarder la catastrophe, regarder l'abîme, c'est pas ça qui permet de ne pas tomber dedans. Au contraire, il nous faut de l'enthousiasme, du collectif, du projet, et se dire aussi que notre objectif c'est pas d'écrire le livre de comment ça serait passé autrement si j'avais été au pouvoir, parce que ça aurait été vachement mieux. Et ça, hein, on est là pour faire les analyses. On dit toujours, on arrive aux journées d'été, on va faire l'analyse de toutes les conneries de l'année passée. Ouais, donc ça, on fait ça chaque année. Et c'est sympa. Hein. Mais on ne fait jamais ça dans l'objectif de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir. On fait ça dans l'objectif d'écrire le bouquin de « Si ça avait été moi, ça aurait été vachement différent. Voilà. » Et ça, moi, je le vois tout le temps aussi dans notre action municipale. Hein, les écolos, de Grenoble, pas beaucoup, mais beaucoup d'ailleurs, ils viennent nous voir en disant c'est pas mal, hein. C'est pas mal pour toi, pour ton niveau, je veux dire. Hein. Mais ça aurait été moi, tu vois, la barre là, quoi. Tu vois le truc, quoi. Hein. Et en fait, c'est ça qu'il faut qu'on lâche, quoi. Notre objectif, c'est pas d'écrire le bouquin de comment ça aurait été bien si on avait été au pouvoir. Notre objectif, c'est de dire comment on fait là pour commencer. Il y a une citation d'Edgar Morin dans un bouquin de 2010 ou 11, là, qui s'appelle La Voix, hein, où il dit « L'objectif maintenant n'est plus de dénoncer, il faut énoncer. Et l'objectif n'est plus de rappeler l'urgence, il faut commencer. » Voilà. Donc on commence, on marche, on scotine la réalité. C'est dur, mais ça avance, ça donne de la force. Et cet art du quotidien, l'écologie politique, maintenant qu'elle a pollinisé, finalement, on a eu un candidat socialiste et écologiste. Qui aurait pu penser ça il y a quelques années au Parti Socialiste? On a eu un candidat avec Jean-Luc Mélenchon éco-socialiste. Donc on peut dire qu'on a pollinisé notre espace. C'est nous ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Maintenant, il faut passer finalement à une écologie du quotidien, de la pratique, de la société civile. Et c'est dans cette alliance-là, en se reconnaissant chacun à sa place, chacun acteur, en faisant ensemble, que émergera
le temps venu, un mouvement qui permettra de mettre de la cohérence non seulement dans l'action du quotidien, mais également dans les échelons nationaux et internationaux. Voilà. Merci.